ces produits-là sont des produits évidemment impropres à la consommation. À savoir s'ils sont dangereux pour le consommateur, l'Union européenne dit que non. Il faut dire que l'Union européenne a rehaussé le niveau d'acceptance de ces produits et donc, par cela même, rend le produit consommable. Mais tout ça est très artificiel. En fin de compte, on a accepté de vendre des produits avec quelques pourcents d'huile de vidange dans de l'huile dite de tournesol. Et donc, à partir de ce moment-là, on comprend bien que la porte est grande ouverte pour d'autres types d'effractions, d'autres types de délits, et ça, c'est inacceptable. L'industrie agroalimentaire a depuis longtemps trouvé le moyen de donner un aspect présentable, voire de qualité, à une viande de second ordre. À ce titre, la poudre Activa, en provenance du Japon, accomplit de véritables miracles. Il suffit de saupoudrer cette enzyme sur des petits bouts de viande et après les avoir placés 2 heures au réfrigérateur, vous obtenez quelque chose qui ressemble à s'y méprendre à un vrai morceau de viande. Une mutation digne de Frankenstein. Pour commencer, il faut bien mélanger la viande avec la poudre. Puis on l'emballe sous vide et on la garde au froid. Au bout d'un petit moment, la poudre Activa produit une sorte de ciment riche en protéines qui relie les différents morceaux entre eux. Grâce à cette méthode, on peut ajouter à la viande des bas morceaux, comme les viscères ou la peau, qui normalement auraient fini dans la chair à saucisse ou avec les déchets. 2 heures plus tard, la transformation de petits bouts de viande en une pièce de bœuf apparemment délicieuse est terminée. Et seul un expert pourrait se rendre compte que ce n'est pas un véritable steak. Je ne sais pas, quelle est votre opinion? Oui, moi non plus je ne connais pas trop le produit, alors c'est pour ça que j'ai pas mon avis. Oui, la réaction qui a été engagée par l'enzyme est une action de liaison. La liaison, une fois effectuée, une fois que l'enzyme a catalysé la réaction de liaison, vous pouvez cuire, frire, couper, c'est congeler, peu importe. Le consommateur qui s'apprête à acheter une de ces viandes dans une grande surface ne s'apercevra de rien. Ha ha ha!